Engagement, professionnalisme, dévouement. Trois valeurs qui rassemblent et guident le travail quotidien des 260 000 personnels de la sécurité civile française et de leurs nombreux partenaires. Cet univers hétérogène est composé de sapeurs-pompiers, de sapeurs-sauveteurs, de pilotes d'avions et d'hélicoptères, de démineurs, de techniciens logistiques et d'agents administratifs. À la tête de ce dispositif, la direction de la sécurité civile coordonne les missions, les moyens et les compétences de chacun. C'est donc par elle que nous allons commencer notre immersion au cœur des risques. Rattachée au ministère de l'Intérieur et placée sous l'autorité d'un préfet, la direction de la sécurité civile siège à Asnières-sur-Seine, en région parisienne. Les 2500 cadres, agents et fonctionnaires qu'elle emploie sont répartis sur 60 sites en métropole et outre-mer. Son action est articulée autour de quatre pôles de compétences: les sapeurs-pompiers, les services opérationnels nationaux, la gestion des risques, l'administration et la logistique. La DSC assure également les missions d'inspection et de relations internationales et pilote la formation des cadres, notamment grâce à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Elle joue enfin un rôle d'information des populations sur l'existence des risques et sur les conduites à tenir en situation de crise. Quelle que soit la puissance d'une organisation, celle-ci ne devient vraiment efficace que si elle est alimentée avec les bonnes informations. Voilà exactement la raison pour laquelle la sécurité civile ne peut fonctionner qu'au travers d'un dispositif au nom insolite, le COGIC. Le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, c'est la sentinelle du système, chargée de collecter en temps réel et sur tout le territoire français les informations et signes annonciateurs d'une crise. Lorsque survient un événement important, cette plateforme de veille se transforme en salle de commandement. S'appuyant sur un réseau d'experts et un dispositif de plan de secours, le COGIC mobilise des moyens au niveau national afin de les engager en appui des secours départementaux et zonaux. Dans le cas d'une catastrophe majeure, le COGIC monte encore en puissance et assure la coordination avec les autres ministères. C'est également à travers lui que la France peut solliciter ou répondre à une demande d'aide au niveau européen par le biais du centre d'information et de suivi installé à Bruxelles. Qu'ils soient civils ou militaires, professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers représentent généralement pour le public l'incarnation des secours. Il faut dire qu'ils sont de loin les plus sollicités, avec en moyenne une intervention en France toutes les 8 secondes. Ah. Mobilisés localement, les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs du secours à intervenir sur un sinistre ou une catastrophe. Ils sont formés et entraînés pour lutter contre tous les types de feux, pour venir en aide aux malades, blessés, intoxiqués ou noyés, pour intervenir sur les accidents de la circulation, les pollutions et les accidents technologiques. Selon les risques répertoriés dans leur zone d'intervention, certains centres se dotent d'équipements et de compétences particulières. Ces moyens spécifiques peuvent intervenir dans une autre zone, voire même à l'étranger, en fonction des demandes répercutées à la DSC. Financés et administrés par les collectivités locales, les 250 000 sapeurs-pompiers français sont composés à 80% de volontaires, menant parallèlement une profession ou des études. 15% sont des professionnels civils, généralement affectés dans les grandes villes, et 5% sont militaires, couvrant les agglomérations de Paris et de Marseille. On les appelle les formisques,
formation militaire de la sécurité civile. Spécialiste du risque majeur, ces sapeurs-sauveteurs constituent le bras armé de l'État, intervenant sur toutes les grandes catastrophes, en France comme à l'étranger. Unité de renfort national, les FORMISC sont engagés sur ordre du COGIC pour faire face à des événements naturels ou technologiques exceptionnels. Capables d'aligner jusqu'à 1500 sapeurs-sauveteurs, les FORMISC maintiennent près de 300 d'entre eux en astreinte permanente. En métropole, ils peuvent être engagés sur le lieu d'un sinistre en moins de 3 heures. Sollicités d'un bout à l'autre du globe, les détachements d'intervention sont constitués par la réunion de modules spécialisés. Ils peuvent ainsi être engagés dans une grande variété de situations et adapter leur mission à l'évolution de la crise. Parmi leurs capacités opérationnelles, on trouve notamment les séismes, les cyclones et inondations, les feux de forêt, les urgences sanitaires et les menaces dites NRBC, qu'elles soient d'origine accidentelle ou terroriste. Outre l'état-major installé dans les locaux de la DSC, les FORMISC disposent de 3 unités d'intervention basées à Nogent-le-Rotrou, Brignoles et Corté. Ils passent leur vie la tête en l'air, mais n'en gardent pas moins les pieds sur terre. Les pilotes, copilotes et mécaniciens opérateurs de bord de la sécurité civile se jouent des obstacles et portent secours lorsque personne d'autre ne peut intervenir. Les moyens aériens se divisent en 2 unités distinctes, le groupement hélicoptère et la base avion de la sécurité civile. Le GH compte 36 hélicoptères répartis sur 22 bases en métropole et outre-mer. Celle de Nîmes assure un rôle de commandement logistique et de maintenance technique pour l'ensemble du groupe. Pouvant intervenir 24 heures sur 24, les dragons de la sécurité civile secourent chaque année plus de 10 000 personnes en mer, en montagne et en zone urbaine. Implantée sur l'aéroport de Marseille-Marignane, la base avion dispose quant à elle de 26 appareils essentiellement consacrés à la lutte contre les feux de forêt. Pendant les 3 mois d'été, 90 pilotes et 30 mécaniciens opèrent dans la zone sud des rotations quasi permanentes. Au titre de la solidarité communautaire, certains équipages peuvent être détachés dans d'autres pays d'Europe. Humbles, rigoureux et sereins, des qualités humaines réclamées par tous les métiers de la sécurité civile, et plus spécialement encore chez les démineurs. Ce corps d'intervention, créé après la Deuxième Guerre mondiale, a vu ses missions progressivement évoluer vers une menace très actuelle, le terrorisme. En raison d'une opération de désamorçage d'un engin explosif, le quartier doit être évacué. À l'origine, l'activité principale des démineurs consistait à neutraliser les mines et engins explosifs issus des derniers conflits militaires. Cette dépollution reste aujourd'hui l'une des missions prioritaires du déminage, avec près de 14 000 interventions chaque année. Le service du déminage intervient également pour neutraliser d'éventuels colis piégés. 5% des objets suspects sont des engins explosifs, parfois improvisés, toujours programmés pour détruire ou tuer. Les 300 démineurs de la sécurité civile sont enfin sollicités pour sécuriser les voyages officiels et les grandes manifestations. Répartis sur 26 centres et 4 antennes, ils sont mobilisables en 30 minutes et peuvent intervenir dans tous les environnements, y compris en milieu subaquatique. Une
L'ultime maillon de cette chaîne opérationnelle, les techniciens des ESOL agissent aux côtés des sauveteurs pour déployer, mettre en œuvre et entretenir les équipements stratégiques de la sécurité civile. Les établissements de soutien opérationnel et logistique ont pour mission première le stockage et l'entretien d'une réserve nationale de matériel d'intervention. Les ESOL assurent la gestion et le déploiement de ces moyens en France et à l'étranger. Pour cela, ils mettent en action le GIL, Groupement d'intervention logistique, composé de 70 techniciens volontaires recrutés parmi 4 établissements en métropole. Constituée pour les catastrophes majeures, la réserve nationale regroupe différentes familles de matériel, notamment des moyens de pompage et de dépollution, de production d'eau potable et d'énergie, d'hébergement des populations et de protection contre les effets d'une contamination radiologique ou chimique. Les personnels des ESOL assurent enfin une maintenance technique sur les véhicules et les équipements spécifiques des services opérationnels de la DSC. La sécurité civile se définit aussi par les liens de partenariat qu'elle entretient avec les grands ministères et les opérateurs de réseau. Au-delà des compétences et des moyens, cette organisation s'appuie sur des hommes et des femmes qui, en plus d'exercer un métier, vivent une passion et se dévouent pour une cause. Ce dévouement trouve un écho dans la population, grâce à celles et ceux qui œuvrent dans les associations de secours bénévoles. Ils sont aujourd'hui plus de 260 000 à prolonger et amplifier le dispositif mis en place par l'État. Au total, ce sont donc plus de 500 000 personnes qui, jour après jour, s'investissent pour notre sécurité.